Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à 10 questions que vous m'avez envoyées. J'ai fait le tri parmi toutes les questions que vous m'envoyez de temps en temps et j'ai relevé les plus pertinentes entre guillemets. Donc il y en a beaucoup de pertinentes mais je ne peux pas répondre à tout en même temps, donc j'ai choisi le top 10 pour cette vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui en Estonie, pas très loin de Tallinn, dans un spot vraiment très sympa avec derrière la mer Baltique. Donc vraiment très très sympa, il n'y a vraiment personne ici. Et en compagnie également d'une petite Porsche Panamera, très très sympa. Donc je suis désolé pour ma voix, si vous ne me reconnaissez pas du tout, c'est normal, je suis malade. Donc là je suis sourd, j'entends rien, j'ai l'impression d'avoir une voix de canard. Donc j'espère que ça va aller. Donc j'ai noté les questions sur mon téléphone, donc je m'en vais tout de suite les récupérer pour pouvoir répondre. Avant de répondre aux 10 questions, je tenais à faire quelques petites mises au point. Alors première mise au point concernant l'Asie. Donc j'ai communiqué sur le fait que j'allais en Asie très prochainement pour une durée indéterminée étant donné que je pars en aller simple. Donc voilà, durée indéterminée ne veut pas dire que je m'expatrie en Asie. Beaucoup ont compris dans ce message le fait que j'allais m'expatrier en Asie. Alors pas du tout, je n'ai jamais prononcé ce mot de m'expatrier en Asie. Je ne suis jamais allé en Asie, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc comment je pourrais m'expatrier dans un pays que je ne connais pas. Donc l'Asie, c'est tout simplement un voyage que je fais. Je ne connais pas le continent asiatique, donc c'est l'occasion pour moi de découvrir différents pays. La Thaïlande, le Cambodge, la Chine, Singapour, Malaisie, quoi d'autre qui est prévu, l'Indonésie, la Birmanie, bref, tout un tas de pays que je ne connais pas. Et quelqu'un m'a dit aussi, oui, l'Asie, de toute façon, c'est là-bas où tous les infopreneurs qui réussissent pas, entre guillemets, vont, les gens réussissaient vraiment, ils iraient aux États-Unis, à Miami ou Los Angeles ou en Europe, dans des grandes capitales. Bref, j'ai vu ce commentaire d'une personne qui m'a bien fait rigoler. Donc ça veut tout simplement dire qu'en fait on devrait se priver de voyager dans des destinations qui sont soi-disant un peu cheap. Donc tout ce qui est Asie, tout ce qui est Amérique du Sud, tout ce qui est Afrique, ben non, il ne faut pas y aller, c'est pas assez cher, il n'y a pas assez d'argent là-bas. Donc ça serait ridicule de s'afficher en Asie ou en Amérique du Sud. Donc j'ai trouvé ce commentaire un peu déplacé et je ne vois pas pourquoi je me priverais d'aller vivre quelques mois en Asie, tout simplement pour le prétexte que c'est pas cher. Donc peu importe ce que les gens disent de vous ou pensent de vous, surtout ne vous limitez pas à ce que les gens vont penser de vous. Donc moi je sais que je vais kiffer l'Asie et j'espère rencontrer certains d'entre vous en Asie. Je sais qu'il y a beaucoup d'expatriés là-bas, donc pourquoi pas en rencontrer certains. Deuxième mise au point qui rebondit un petit peu sur ce genre de commentaires un peu bizarre qu'on reçoit de temps en temps. Voilà, je suis pas votre pote entre guillemets. Alors voilà, moi j'adore être proche de tout le monde, de vous tous, mais voilà, certains pensent qu'on est directement leurs potes, on ne se connaît pas, je ne les ai jamais vus et je reçois parfois des emails assez bizarres de gens qui vont te tutoyer dès le début. Bon, ça, je m'en fous, on se tutoie, c'est normal, j'adore tutoyer les gens, mais qui vont te tutoyer vraiment de manière très familière et dès qu'on répond pas au mail dans un ou deux jours, ils commencent à t'insulter, à dire que tu as pris la grosse tête, à te traiter d'enfoiré, que tu réponds pas, que je sais pas quoi. Bref, ça m'arrive de plus en plus de recevoir des emails d'insultes alors qu'au tout début c'était ami-ami, copain-copain. Donc voilà, je suis pas votre pote entre guillemets, même si moi j'adore parler à tout le monde, on se tutoie, on est cool, on est comme des potes, j'adore ça. Mais il faut comprendre une chose, c'est que je suis pas H24 disponible, que je peux pas répondre dans les deux heures. Si je réponds pas à votre email, c'est pas parce que je voulais pas ou que je m'en foutais. Je l'ai très certainement lu puisque je lis tous mes emails, pardon. Mais je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, tout simplement parce que je reçois tous les jours plusieurs dizaines de messages, d'emails, que ce soit par Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Je passerai mes journées à y répondre. Donc malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et c'est pareil, c'est comme les personnes qui me demandent « Oui Raphaël, voilà mon numéro, appelle-moi, j'aimerais parler avec toi de ça, de ci, de ci. » Oui, je veux bien, mais le problème encore une fois, c'est que je ne peux pas appeler tout le monde, répondre à tout le monde. Donc voilà, quand je reçois des emails, appelle-moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur tel projet, sur telle chose. Malheureusement, ce n'est pas possible et vous le comprenez sûrement, c'est que voilà, j'ai 24 heures moi aussi dans une journée et si je me mets à répondre à tout le monde, je ne m'en sors pas. Donc voilà, ça rejoint également la petite mise au point numéro 3 que j'avais écrite.
réponse aux messages. Voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde, même si je lis vos messages à 100%. Ce que je fais désormais, c'est que je synthétise vos questions dans un petit fichier et je réponds à celles-ci, du moins les plus pertinentes, dans une petite vidéo que je vais réaliser désormais de cette façon, dans un cadre assez fun. Donc on commence tout de suite puisque l'intro est un peu longue du coup. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai l'impression de parler pas vraiment fort, mais heureusement il y a le micro. Question numéro 1, avec un capital de 1 000 €, quelle structure dois-je choisir pour mon entreprise immobilière? Dois-je commencer par acheter une place de parking ou commencer par un studio ou un deux pièces? Alors, capital de 1 000 €, bon voilà, c'est cool, mais c'est pas grand-chose et c'est surtout pas le moment de penser à quelle structure on va créer pour monter son entreprise immobilière, donc c'est-à-dire une foncière. Au début, il ne faut pas se prendre la tête. On commence à investir dans l'immobilier en tant que nom propre, c'est vraiment la chose la plus simple à faire. Vous achetez votre premier bien immobilier en nom propre. Le nom propre, c'est vraiment un statut qui est intéressant avec le statut de LMNP, le loueur meublé non professionnel, si vous faites du meublé, bien évidemment, ce que je vous recommande fortement. C'est vraiment un statut intéressant, vous allez pouvoir déduire un maximum de charges et ne pas payer d'impôts. Donc le fait de ne pas payer d'impôts, je ne vais pas le développer, sinon ça prendrait pas mal de temps pour la vidéo. Mais la conclusion, c'est qu'il faut vraiment commencer en nom propre. Il ne faut pas vouloir forcément tout de suite commencer en société, même si ce n'est pas une foncière, même si c'est une SCI. Peu importe, la SCI, il ne faut pas vouloir en créer une à tout prix, on parle toujours de SCI. Non, la SCI, ça peut être bien pour investir à plusieurs, ça peut être bien pour investir à plusieurs, voilà, quand on n'a pas la force financière ou aussi pour transmettre à des enfants si on pense directement à ça. Mais non, pas besoin de créer une société dès le début. Pour ce qui est d'une place de parking, un studio, un T2, bon, forcément la place de parking, c'est ce qui prend, on va dire, le moins d'enjeux financiers. Donc pourquoi pas, même si ça peut être compliqué de trouver un bon produit d'office. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu trouver un parking au début, mais ça prenait beaucoup trop de temps, c'est-à-dire que je ne trouvais pas d'offres intéressantes sur la ville de Reims. Donc directement, je suis passé à l'achat d'un T2. Le studio, c'est un très bon produit, très très liquide sur le marché, qui va se louer très facilement si vous êtes dans une ville étudiante à des étudiants. Donc pourquoi pas un studio, c'est encore des enjeux financiers qui sont relativement faibles normalement selon les villes. Encore une fois, si vous êtes à Paris, l'enjeu financier est déjà entre guillemets élevé par rapport à si vous êtes à Reims ou dans d'autres villes. Mais pourquoi pas un studio? Après le T2, un deux pièces, c'est forcément ce qui reste le meilleur produit sur le marché. Ça reste liquide, ça concerne beaucoup de personnes, aussi bien l'étudiant, aussi bien que le couple. Plein de personnes différentes peuvent être visées. Donc le T2, c'est un petit peu le produit idéal. Mais moi, ce que je peux recommander, voilà, c'est un studio, un T2, c'est parfait pour commencer. Plutôt que de vouloir commencer directement sur un immeuble, on voit souvent des gens qui veulent s'emballer un petit peu. Première opération, un immeuble. Donc pourquoi pas, chacun jauge un petit peu son degré de confiance, de confiance vis-à-vis de son projet immobilier et de la première fois. Mais voilà. Question numéro 2. Concernant ton appartement avec un prêt étudiant, après avoir fait tes calculs d'impôts plutôt simples, je me suis rendu compte que ton prêt étudiant ne pouvait pas suffire à payer l'appart plus les travaux. Tu as fait comment? Donc très bonne question. Donc tout simplement, voilà, tu t'es rendu compte que au niveau des maths, ça ne collait pas, tout simplement parce que j'ai mis un apport personnel, si je me rappelle bien, de 15 000 €, finançant donc les travaux ainsi que le mobilier. Donc voilà, cette enveloppe personnelle, c'était issu de petit boulot que j'avais fait quand j'étais étudiant, donner des cours de maths, donner des cours d'informatique, donner des cours de médecine et également de l'exploitation d'un autre bien que j'avais, que j'ai toujours, que je loue en saisonnier. Donc de l'épargne personnelle que j'avais de côté. Question numéro 3, je voulais savoir quel était l'intérêt d'acheter en nom propre. C'est pas mieux d'acheter via une SCI à l'IS. Donc on revient un petit peu sur la question numéro 1. Donc moi je te retourne la question, pourquoi acheter via une SCI à l'IS? Donc est-ce que tu veux acheter à plusieurs parce que tu n'as pas assez de force financière? Est-ce que tu veux transmettre directement ton patrimoine à des enfants et tu penses déjà à cette question? Pourquoi vouloir acheter en SCI à l'IS? Encore une fois, le nom propre, c'est vraiment un très très bon deal, une des dernières niches fiscales aujourd'hui avec le LMNP au réel où on peut déduire vraiment tout un tas de choses. Encore une fois, je ne m'attarde pas, ça serait beaucoup trop long, mais retenez bien qu'en LMNP au réel, en étant en nom propre, on peut ne pas payer d'impôts avec ses revenus immobiliers. Donc c'est vraiment quelque chose d'excellent puisque je pense que tu aurais bien envie de ne pas payer d'impôts. Question numéro 4, je ne sais pas quoi faire, par quoi commencer, ni comment. Que répondre à cette question que je reçois très souvent? Voilà, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'investir, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Première chose à faire, ça va être vraiment de bien se former, de bien s'entourer. Donc faites des formations concernant le sujet que vous voulez toucher, que ce soit l'immobilier, que ce soit le business sur internet, l'e-commerce, que ce soit la bourse, peu importe le domaine que vous voulez toucher,
en premier, formez-vous, c'est vraiment très très important puisque dès qu'on parle de business, dès qu'on parle d'investissement, une erreur peut coûter très cher. Voilà, on parle d'argent, on parle d'investissement, donc potentiellement ce qu'on a investi, on peut le perdre. Et donc quand même le mieux quand on investit ou qu'on entreprend, c'est quand même de générer des bénéfices, du cash flow derrière. Donc formez-vous bien, il y a plein de formations aujourd'hui sur internet, les miennes, celles d'autres, donc vraiment n'hésitez pas là-dessus. Je sais que certains voient du mauvais œil ce genre de formation, honnêtement je ne vois pas pourquoi. Ce serait vraiment bête de se priver de l'expérience d'une autre personne qui a déjà investi sous prétexte que ces formations sont payantes. Elles sont d'autant plus normalement à un prix raisonnable, donc pourquoi s'en priver? D'autant plus que faire ces formations va vous permettre de vous créer un réseau en rencontrant des personnes, des entrepreneurs, des investisseurs qui ont déjà fait ce que vous voulez. Donc voilà, moi je sais qu'au début je ne savais pas trop par quoi commencer, mais qu'en me formant et en m'entourant de personnes, en allant à des séminaires, des formations en présentiel, des networking, ça m'a beaucoup affiné les idées. Et en discutant, vous savez, en parlant souvent, ça éclaircit les idées, vous savez. Parler souvent, je ne sais pas si vous arrivez, mais en parlant, on a des idées qui nous arrivent en échangeant avec les gens. Donc voilà, moi, c'est ce qui s'est un peu passé en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs, ça m'a beaucoup éclairci les idées. Question numéro 5. Je compte investir dans une place de parking pour faire le premier pas dans l'immobilier, mais je pense ne pas avoir saisi quelque chose. Car admettons, j'achète une place à 15 000 euros louée plus ou moins 100 euros, je n'aurai pas mes premiers bénéfices avant 12 ans. Donc là, question de Solène. Donc là, Solène, je pense qu'elle n'a pas forcément saisi la notion de cash flow positif et la notion du fait de gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier. L'investisseur classique, l'investisseur lambda, va acheter un appartement à crédit et va commencer à toucher ses loyers pleins au bout de 20 ans s'il a fait un crédit sur 20 ans. Ça, c'est comment pense un investisseur qui perd de l'argent tous les mois, puisque généralement son crédit ne va même pas couvrir. Son loyer qu'il va toucher ne va même pas couvrir son crédit. Il va peut-être même faire du cash flow négatif. Donc là, c'est un investisseur qui va accepter de perdre de l'argent pendant 20 ans pour en gagner dans 20 ans une fois que son crédit sera remboursé ou il aura les loyers pleins. Non, un investisseur intelligent, c'est un investisseur qui gagne de l'argent tout de suite avec l'immobilier. C'est-à-dire que supposons qu'il fait un achat immobilier à crédit à 100% ou plus 110, 130% avec une mensualité de 500 euros, son loyer va être de 800 euros disons. Donc, il a un excédent de trésorerie chaque mois de 300 euros. Donc, bien évidemment, il faut prendre en compte les charges, les taxes, etc. Je fais un exemple très simple pour la vidéo. Mais l'idée, c'est de se dire que l'investisseur, après avoir remboursé sa mensualité, après avoir payé ses taxes, ses charges, etc., à la fin du mois, il lui reste un excédent de trésorerie, un cash flow positif, comme on dit dans l'immobilier. Donc ça, c'est pas un mythe. C'est la réalité, ça existe. Tous les investisseurs que je connais font du cash flow positif. Moi-même, mes opérations sont en excédent de trésorerie, je fais du cash flow positif chaque mois. Donc, c'est-à-dire que votre locataire rembourse votre prêt à la banque, il rembourse le capital chaque mois à la banque et en plus de ça, vous permet de faire un cash flow positif, de vous enrichir, vous permet de vivre tous les mois. Donc là, Solène, en effet, sur un parking à 15 000 euros loué plus ou moins 100 euros tous les mois, je pense pas que c'est ça qui va te faire vivre, c'est pas ça qui va t'apporter un gros cash flow positif, même si tu finances bien sur 25 ans. Donc voilà, je pense que Solène, il faut que tu comprennes qu'il faut trouver des opérations, des bonnes affaires qui te rapportent de l'argent tout de suite et pas dans 12, 15, 20, 25 ans. Donc le moteur de la Panamera est vraiment très chaud et très chaud. Donc je commence à avoir le cul qui chauffe, mais ça va le faire. Donc qu'on change un petit peu de plan histoire de varier les plans de la voiture et que vous vous ennuyez pas sur la vidéo. Donc question numéro 6 de Maxime. J'aimerais beaucoup discuter un peu avec toi pour me rassurer et obtenir de précieux conseils pour pouvoir me lancer. Peut-être pourrions-nous dialoguer sur Messenger ou Skype. Donc j'avais oublié que j'avais laissé cette question. Donc ça rejoint les petites mises au point que j'ai fait au début de la vidéo. Malheureusement, je ne peux pas accepter ce genre de proposition puisque j'en reçois beaucoup trop et que je passerai mes journées à faire entre guillemets du coaching gratuit sur Skype ou Messenger. Donc ne le prenez vraiment pas mal. J'adore échanger avec vous à travers les vidéos ou même quand on se rencontre en séminaire, à des événements, etc. Mais littéralement, je ne peux pas passer mes journées derrière Skype ou au téléphone pour vous coacher gratuitement. Je sais que ça fait très commercial, mais je me concentre uniquement sur les clients de mes formations ou du moins à 100% au maximum et en priorité aux clients de mes formations. Donc, je vous invite à vous tourner vers mon catalogue de formations et ensuite, on pourra potentiellement et même très très sûrement discuter de vos projets tout en détail. Question numéro 7, Alexis. Concernant ton appartement en location saisonnière à Épernay avec ton prêt étudiant, est-ce vraiment rentable et est-ce que tu te fais un bon chiffre d'affaires réel ou bien tu veux juste faire rêver tes interlocuteurs? Donc,
question assez marrante. Donc non, franchement, sur cette opération, je suis en déficit. C'est chaud, chaque mois, je mets 700 euros. Donc non. Bah, forcément qu'il y a du bénéfice. voilà, comme je vous le disais dans une autre réponse avant, on n'investit pas dans l'immobilier pour perdre de l'argent. Sinon, à quoi ça sert de s'embêter à trouver un appartement, faire des travaux, s'embêter à louer, d'autant plus en saisonnier, faire du ménage, des check-in, attendre le client qui est en retard, nettoyer des chiottes, pour en plus perdre de l'argent? Non. Donc bien évidemment que les opérations sont rentables. C'est carrément vérifiable très facilement. Et il y a tous les chiffres que j'ai mis dans l'e-book gratuit en disposition sur mon blog, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la barre de description sur YouTube, que je vous invite à télécharger, sur mon opération à Épernay. Donc honnêtement, il y a les chiffres de l'achat, des frais de notaire, des frais d'agence, de combien je loue, des frais taxes foncières, etc. Pardon, je vous l'ai dit, je suis un peu malade, donc je suis désolé. Donc vraiment non, c'est rentable. Moi, je cherche à faire rêver personne. L'immobilier, je kiffe ça, c'est une passion, c'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus. Donc non, franchement, bien évidemment, il y a du déficit comptable au sens strict du bilan comptable, mais bien évidemment, il y a du cash flow positif chaque mois. Donc encore une fois, la notion de déficit comptable et cash flow positif, je sais qu'elle peut être un petit peu bizarre pour certains ou un petit peu étrange. Comment on peut avoir un déficit comptable, ne pas payer d'impôts parce qu'on est en déficit, on est dans le rouge, mais à côté d'avoir du cash flow positif chaque mois, donc gagner de l'argent? Je sais que ça peut paraître bizarre. Encore une fois, c'est de la comptabilité. Si je réponds à cette question en détail, ça va prendre 3 quarts d'heure. Donc non, je cherche à faire rêver personne. Bien évidemment, il y a un chiffre d'affaires réel et des bénéfices réels. Cet appartement Épernay, c'est environ 17-18 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Question numéro 8. Baptiste, faut-il d'abord avoir un crédit par une banque et puis chercher après un bien immobilier ou inversement? Donc j'ai envie de te dire, Baptiste, ça dépend. Deux solutions. Soit c'est ta première opération, tu as un CDI, tu as un bon salaire, ton taux d'endettement n'est pas encore impacté, tu n'as pas d'autres crédits à côté, pas de crédit à la conso, et tu sais que voilà, il n'y a aucune raison que ton banquier te dise non sur un premier projet immobilier raisonnable et cohérent. Donc de ton côté, tu as fait tes estimations, tes petits calculs pour savoir combien tu pouvais emprunter en fonction du fameux taux d'endettement de 33%. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que tu ailles prendre un rendez-vous préalable avec ton banquier. Tu fais tes recherches, tu signes un compromis et ensuite tu amènes l'affaire à ton banquier pour qu'il te la finance. Soit au contraire, tu sais que ton dossier est un petit peu plus compliqué, tu peux avoir un CDI, ok, mais tu as déjà d'autres crédits à côté, crédit immobilier ou crédit à la consommation, tu sais que ton taux d'endettement est déjà impacté et dans ce cas-là, tu sais que ton banquier pourra peut-être moins facilement dire oui. Donc dans ce cas-là, ça peut être plus intéressant de prendre directement un rendez-vous avec ton banquier pour lui faire part ton projet immobilier, pour qu'il te dise dans quelle direction tu peux aller, quel montant tu peux emprunter, si tu peux emprunter. Pareil si tu es en CDD ou si tu as d'autres situations un petit peu différentes, histoire que ton banquier soit au courant de ton projet immobilier et pour qu'il te donne le feu vert ou pas sur combien tu peux emprunter, etc., etc. Ça serait vraiment dommage pour toi de perdre ton temps, de faire des recherches, trouver une bonne affaire, de signer un compromis pour qu'au final ton banquier te dise non d'office, ou aussi faire perdre du temps à l'agent immobilier et à d'autres interlocuteurs dans tout le process. Donc ça dépend un petit peu de ta situation. Tu peux dans tous les cas prendre un rendez-vous préalable avec ton banquier pour le prévenir tout simplement que tu souhaiterais acheter et te rassurer aussi. Donc ça dépend un petit peu aussi ton niveau de confiance vis-à-vis de tes chiffres à toi, de ton salaire, de ton endettement, etc., etc. Question numéro 9. D'un point de vue fiscal, c'est Hugo qui demande ça, peut-on toucher plus dans ses investissements que dans son vrai métier sans avoir de problème? Je ne vais pas être sûr à 100%, mais ma réponse serait plutôt à dire oui. Pourquoi tu ne pourrais pas gagner plus avec tes investissements immobiliers, boursiers, etc., qu'avec ton propre travail? Pour moi, voilà, j'ai vraiment pas de problème là-dessus. Ce que je sais par contre, c'est à la création d'entreprise, je sais qu'il peut y avoir certains problèmes dans certaines professions, notamment tout ce qui relève de la fonction publique, il me semble. On n'est pas forcément libre pour créer une entreprise type SAS, SARL, des choses comme ça. Donc là, c'est à reconfirmer, mais je pense que pour tout ce qui est investissement immobilier, bourse, etc., il n'y a aucun souci pour gagner plus d'argent dans son investissement, dans ses investissements qu'avec son propre travail. Et honnêtement, le jour où tu gagnes plus d'argent avec tes investissements, je pense que ton travail, tu auras envie de le quitter. Donc c'est tout ce que je te souhaite et c'est un petit peu une question de riche entre guillemets, mais je ne pense pas que d'un point de vue fiscal, ce soit illégal. 10e et dernière question de Isaac. À quelle fréquence doit-on effectuer les emprunts immobiliers? Donc là, tout simplement à ta propre fréquence, j'ai envie de dire. Il y en a, ils sont énervés, ils vont acheter plein d'appartements en une seule année. 1, 2, 3, 4, 5 appartements en un an. Un immeuble, deux immeubles en un an, deux immeubles en même temps.
D'autres vont faire une opération tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ça dépend vraiment de toi. Si tu as envie d'acheter de l'immobilier rapidement, de te faire un patrimoine immobilier rapidement. Et aussi, ça dépend peut-être aussi, c'est important, de la banque. Est-ce que la banque veut toujours continuer à te financer? Est-ce que ton taux d'endettement n'est pas trop élevé? Est-ce que tu n'as pas trop d'encours? Quoi d'autre? Est-ce que tes revenus suivent, etc., etc. Est-ce que tes anciennes opérations avaient des excédents de trésorerie? Est-ce qu'elles étaient réussies? Est-ce que tu sais investir dans l'immobilier? Donc, il y a plein de questions comme ça. Donc, ça dépend d'un côté de toi. Si tu veux aller vite, tu peux aller vite. Tu peux faire même plusieurs opérations en même temps comme certains investisseurs font. Tout comme tu peux y aller à ton rythme. Donc, voilà. Là, il n'y a pas vraiment de réponse type. Donc voilà pour les 10 questions auxquelles j'ai répondu. Donc j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer d'autres questions directement dans les commentaires. Le plus simple, c'est que vous les posiez directement ci-dessous dans les commentaires. J'irai sélectionner des questions et je vous ferai une autre vidéo de ce type pour répondre à vos questions. Dites-moi si ça vous plaît ce format un petit peu différent où on est dans un cadre un petit peu différent plutôt que derrière un bureau. Et voilà. Donc, je vous dis à très très vite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec des gens qui sont intéressés par le sujet de l'immobilier, de l'investissement, de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et n'oubliez pas de bien lire la description et de télécharger gratuitement ci-dessous mon petit cadeau de bienvenue avec voilà, le livre dans lequel j'explique toute mon opération à Épernay, en location saisonnière de A à Z, mon intervention télévisée à M6 dans 66 minutes, mon intervention à l'université de Paris-Nanterre. Voilà, voilà. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.